Avec toi gros c'est pas carré, gros t'es barré comme le zèbre. Je peux pas faire confiance à tout le monde, mandar mero et aux aides. On sait qui peut venir t'arroser, on sait comment on fait l'oseille. On sait y'a qui sur la moto, les paniques ils dorment à l'hôtel. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y c'est parti. Et négro je vois tout comme Fico. Chiki, c'est parti pour une petite vidéo actu du dimanche. Qui pour commencer cette première vidéo actu du dimanche, puisque oui, il y aura deux vidéos actu aujourd'hui. Puisque en fait, hier soir, j'étais pas chez moi, donc en gros, bah, j'ai publié une compilation pour justement bah, vous faire patienter aujourd'hui, tu vois. Il y aura deux vidéos actu qui regroupent bah, ce qui s'est passé hier soir et aujourd'hui. Bon, pour commencer, on a un feat entre Maes et Baby Gang qui a été enregistré, et il y a également un clip qui devrait arriver dans pas longtemps. Et Baby Gang, c'est un rappeur marocain. Donc ouais, en gros le clip, ils l'ont tourné au Maroc. Ensuite, avant-hier, on a vu qu'il y avait un meurtrier présumé de Tupac Shakur qui avait été arrêté. Et en gros, il avait été arrêté 27 ans plus tard. Et ben là, il y a la photo et le nom de la personne qui est ressortie. Et c'est Kifidji qui a été arrêté et accusé aujourd'hui du meurtre de Tupac Shakur. L'enquête a débuté en septembre 1996. Et en gros, ben, ce mec-là, il faisait des interviews en disant que c'était lui. Et il me semble avec une personne... ben, qu'ils avaient tué Tupac Shakur, etc. Et il expliquait comment il avait fait ça, tu vois. Et là, ils viennent de l'arrêter 27 ans après. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a la crime qui a réagi à un son qui a été fait par l'IA, l'intelligence artificielle. Et c'est un son entre Ouais Renoir et la crime. Et je rappelle qu'il y a un vrai feat ben, qui a été fait entre les deux rappeurs. Sauf que là, ce feat-là, c'est un deuxième feat, mais fait par l'IA. C'est une dinguerie. Et c'est en train de tourner partout. On peut voir que la crime, il a dit... carrément, j'ai cru que c'était moi j'avais posé. Et il a mis un smiley mort de rire. Et ouais, pour le coup, les IA, ben, les sons qui sont faits par les intelligences artificielles, en gros par des personnes qui chantent derrière, et par la voix justement du rappeur, sont vraiment trop bien faits. Et par moments même, moi-même, j'écoute des sons qui sont faits par des IA en pensant que c'est les rappeurs qui ont posé. Alors que mon cerveau sait que c'est pas les rappeurs qui posent et que c'est un IA. Mais j'ai du mal à... ben, à capter justement que c'est une personne. Bref, c'est bizarre. Dites-moi vous comment ben, vous pensez quand vous écoutez un son fait par l'IA, l'équipe. Recette tout arrivé, on fait du papier, on casse les sims. Gagner des tonnes, c'est perdre des amis. On mène la vie qu'on n'a pas choisi. Ils veulent tenir les rênes du trafic, car c'est le bénéfice qu'on a choisi. Ensuite, avant-hier, on a vu que Ruff, il avait réagi à un passage de CNews et de Pascal Pro, qui avait accusé justement ben, l'immigration de ramener des punaises de lit. C'est une dinguerie. Et on peut voir qu'il y a Hachik qui a également réagi. Il a dit « Pascal Pro, je cherche la bonne insulte pour lui, mais j'ai pas encore trouvé. » Trois petits points. Et voilà. Donc en gros, ben, il a envie de l'insulter. Et il n'a pas encore trouvé laquelle insulte ben, pour lui, quoi. Ensuite, avant-hier, il y a Booba qui a laissé des messages encore une fois par rapport à Maes. Puisque je rappelle qu'ils se sont donné rendez-vous à Paris et que Maes lui a donné rendez-vous à Boulogne, tu vois. Et que Booba veut que Maes aille à Sevran. Et ben on peut voir qu'il a reçu un message privé d'une personne qui disait « Il veut juste gratter de la lumière. C'est pour ça qu'il fait l'intéressant. » Et on peut voir que Booba l'a dit. « Il est dans l'impasse. C'est notre marionnette. Un poste et il fait le tour de la banlieue. » En T-Max capuché, à 3h du mat, en fou, au lieu de rester chez lui avec ses enfants miskines. Et la personne a dit, MDR, en fou vraiment, bandeur de cité. Et Booba a dit, un pantin. Et la personne a mis des smileys morts de rire. Et Booba, il l'a mis en story en disant, hashtag, cela dit, respect. Juste après, bah, il a publié ce montage de Maes devant ce panneau. Et il a dit, il est partout, c'est une dinguerie. Partout, sauf au Bedot. Hashtag Pancartman. Et ensuite, il a publié ben, ce montage et il a dit « Putain, il se wapoche, il va m'atwaper. » Hashtag Pancartman. Et voilà. Et c'est ben, Booba qui a piqué Maes. Ensuite, ça, hier soir, il y a tout le monde qui en a parlé. Et je vous ai même fait une publication sur Instagram. Puisqu'en gros, il y a eu le combat entre Cédric Doumbé et puis Jordan Zebo. Et le combat, il a duré 7 secondes. En gros, au premier round, Cédric Doumbé, ben, il l'a mis KO, tu vois. Et ben, il y avait plusieurs rappeurs, plusieurs personnalités qui étaient invitées. Comme Kylian Mbappé, Gims, vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait même Gradure, NASA, vraiment beaucoup de monde. Et ben, il y a Ruff qui a réagi par rapport ben, à la victoire de Cédric Doumbé. Il a dit « Le parpaing de Cédric a tenu ses promesses. Soutien et grosse force à Jordan. Ce qui ne tue pas, renforce le mental. Le meilleur est à venir. »
trois petits points. Et c'est la réaction de Ruff. En gros, il soutient Jordan par rapport à sa défaite et il félicite justement Cédric, tu vois. Et il y a plusieurs rappeurs qui ont réagi en direct du combat. Et c'est en train de tourner partout. Et il y a également Booba qui a réagi en vidéo en laissant un message à Cédric. Je vous ai fait une compilation qui regroupe tout ce qui s'est passé. Donc pour ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas pu suivre ce qui s'est passé hier soir, tenez, regardez. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Je vais crier. Je te dis dans la cage. C'est-à-dire quand l'arbitre va dire Cédric, Jordan, venez, voilà, respectez les règles. Cédric, défonce-lui. Défonce-le comme t'as dit. Jordan, voilà, bonne nuit. Allez, fight. À ce moment-là, je vais me retourner vers le public. Je vais faire ça. Jordan ! Et qu'est-ce que le public va dire ? T'es mort ! T'es mort ! T'es mort ! Alors dis-moi d'où c'est quoi ton pronom pour le main event de ce soir entre Doumbé et Zebo ? Bien entendu Doumbé. C'est un Camerounais comme moi, donc c'est forcément Doumbé. Il n'y a même pas de débat. Donc, le KO pour toi ? KO, je sais pas. Mais en tout cas, c'est Doumbé. Jordan Zebo in the gray. Southpaw stance for Zebo. Is that low stance from Cedric? Oh! C'est trop grave. Laisse tomber. Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me faire photo. KO, premier round, on n'en parle plus. T'es mal pitala, il regarde ici. Que Cédric il vient de faire. C'est trop. C'est trop. Un coup KO. Jordan! T'es mort! C'est fini! Merde! Non mais frérot, PFL, là, c'est quoi cette organisation de garagistes, frérot, allez vous faire un... Cédric, je te clash pas, je te respecte, on se connaît. Et t'es vraiment bon à la bagarre, mais vas-y, zombo, arrête. Moi j'aime bien ton trash talking et tout, t'as vu, tu donnes envie, je voulais même pas regarder, mais tellement tu jactes, tu vois, ça marche, t'es obligé de regarder, mais là, vas-y, moi je suis allé me coucher à cause de toi, les minuit, fashion week, dodo frérot, je regarde RMC là, il y a un truc sur les condés, t'abuses, zabo, arrête Cédric, respecte-nous, ramène-nous un vrai gars. C'est le trash talk, tac, bim, bam, vous y allez. Mais arrête. On n'a jamais vu autant de célébrités, de grandes célébrités venir pour un événement de MMA en France. C'est du jamais vu. Et regardez qui nous a rejoint juste avant le main event. C'est Hamza qui est lui aussi fan et qui est lui aussi venu spécialement pour Doumbé. C'est bien ça? Merci. Tu m'as mis bien, merci. Ibrahim. Bon, Ibrahim. C'est le combat que t'es venu voir. Thank you.
C'est une dinguerie. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Hey, franchement, juste, seriously. Sérieux, I wanna say this for Jordan Zeebo, j'ai envie de dire ça pour Jordan. Hey, lui, il a rien à voir dans ça. Vous savez très bien qui a pris ce KO, c'est pas Jordan. Vous savez très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme. C'est lui qui vient de prendre un KO. Voilà. I want him to forget. Oublie cette défaite. Je veux surtout pas que tu arrêtes de t'entraîner. T'as des capacités de fou. Continue de t'entraîner. Écoute tes coachs. Je veux pas que cette défaite est à battre. Les gens, ils vont continuer de t'encourager. Oui, on a crié Jordan Paiement, mais on va continuer de l'encourager. S'il vous plaît, envoyez-lui de la force sur les réseaux sociaux. C'est un bon gars, Jordan, allez donner de la force. Enfin, c'est un bon gars, je sais pas, mais voilà. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Les petits, ils ont pas de cœur, mais au fond, ils ont un bon fond. Je leur mets une peine à tout bouger. Au final, ils finissent au front. Ils veulent un douzième Beretta, mais très peu, ils te la mettent au fond. Mais très peu, ils te la mettent au front. T'es une pute, ben appelle ton ref. C'est tendu, c'est Marseille, bébé, comme Raco, comme Belon, mon S au charbon. Pas besoin de formation. Quand on perd, on l'a bien mauvaise. Quand je... Donc voilà, au passage, dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai oublié des actualités, ben je pourrais les rajouter dans la semaine, tu vois, si jamais j'en oublie. Je te dis à soir pour une prochaine une vidéo et une nouvelle exclu. J'ai même pas, en fait, j'ai pas d'outro qui sont prévus, donc j'essaie d'en trouver, tu vois. En fait, je tourne tout le même jour, donc c'est galère à en trouver. C'est les games. Dans ma tête, ça suit pas, je vais anticiper. J'ai vu que le même me plaît pas, je me suis dissipé. L'hiver, j'enfile le cache-nez, je fais que débiter. J'en ai fait des passes des, je traîne qu'avec des vrais. Des millions et millions bloqués dans ma tête. Des visions de litron, je veux pas que ça s'arrête. Ils font tous les bandits, mais n'auraient compris. Il suffit d'une bastos pour t'enlever la vie.